Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Étrangers et voyageurs sur la terre ». Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc le titre du message, c'est « Étrangers et voyageurs sur la terre ». Nous allons nous baser sur le passage de Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir attendu les richesses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient eu en vie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. Amen. Donc, le verset 13 dit quoi? C'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On parle des patriarches, n'est-ce pas? Ceux qui sont morts avant l'arrivée de Jésus. Ils avaient foi dans le Seigneur, donc c'est dans la foi, c'est dans l'espérance, reconnaissant qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Donc la Bible dit quoi? Les enfants de Dieu qui ont la promesse de la vie qui arrive, de la vie nouvelle qui arrive, sont des étrangers et des voyageurs sur la terre. Lisons encore Jean 18, 36. Jean, chapitre 18, le verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Alléluia. Vous voyez, Jésus dit quoi? Il est venu sur la terre. Mais il dit, lui, Jésus, son royaume n'est pas sur la terre. Il n'est pas de la terre. Ça dit quoi? Si on était dans son royaume, on n'allait pas pouvoir l'attraper. Parce que ses serviteurs allaient combattre pour lui. Il a des serviteurs dans son royaume. Il a des combattants dans son royaume. Il a une armée dans son royaume. Mais il a dit quoi? Maintenant, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Donc, Jésus était là, il a marché sur la terre. Mais malgré qu'il ait été sur la terre, il reconnaissait que lui-là, il n'appartenait pas à la terre. Donc, le fait d'être présent sur la terre ne dit pas que tu es membre de la terre. Jésus a marché ici, mais il a dit non, je marche ici, c'est vrai, mais mon royaume n'est pas d'ici. Donc, ici-là, moi, ce n'est pas mon pays. Ici, ce n'est pas ma patrie. J'ai une patrie, j'ai un royaume. Là-bas, j'ai des serviteurs. Donc, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, les patriarches aussi ont dit quoi? Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils étaient sur la terre, mais ils ne faisaient pas partie de la terre. Ils étaient sur la terre, mais leur royaume n'était pas de la terre. On continue la lecture. Jean 17, 14 à 16. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Vous voyez? Donc, Jésus n'est pas de ce monde. Il a marché sur cette terre, mais il n'est pas de ce monde. De la même chose, il dit quoi? Nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les enlever tout de suite de ce monde. N'est-ce pas? Mais je te prie de les garder. N'est-ce pas? Parce que eux, ils ne sont pas du monde. Donc, si Jésus n'est pas du monde, toi aussi, tu n'es pas du monde. Nous avons une patrie céleste. Nous avons un royaume céleste. En fait, nous sommes des citoyens du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes des citoyens célestes.
Nous ne sommes pas des citoyens du monde. Parce que Jésus n'a pas son royaume ici. Quand on nous dit nous sommes les héritiers et les co-héritiers avec Christ, des gens pensent que c'est des héritiers pour prendre les héritages que nous voyons sur la terre ici. Vous comprenez, non? Nous sommes co-héritiers avec Christ du royaume. Des choses célestes, pas des choses terrestres. On dit ce monde-là, Dieu a donné à Satan. Et tout ce qui est là, c'est pour Satan. Ça, c'est leur monde. Ce sont leurs richesses. Ce sont leurs biens. Mais nous sommes co-héritiers avec Christ, nous. Notre patrie, c'est une patrie céleste. Notre royaume est un royaume céleste. Nous sommes des citoyens du ciel. Donc, en tant que citoyen du ciel, tu dois comprendre que tu es un étranger sur la terre. Tu dois te comporter en étranger. C'est ce qu'on veut dire. Tu es un étranger sur cette terre. Tu n'es pas venu pour rester. Tu es un passager. C'est comme ça qu'on appelle, non? Tu es un passager. On peut dire quoi? Tu es aussi un pèlerin. Tu es en pèlerinage. Tu es venu pour un temps précis. Donc quand le temps va arriver, nous les membres de ce royaume, nous allons maintenant rentrer chez nous. Ça veut dire quoi? Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Donc nous ne sommes plus du monde. Regarde quoi? Le Seigneur dit quoi? Ils ne sont plus de ce monde-là. Garde-les, protège-les, mais ils ne sont plus de ce monde. Donc en tant que chrétien, tu dois te considérer comme un étranger sur la terre. Tu es un pèlerin sur la terre. C'est très important de l'avoir en tête. Lisons Genèse 47, verset 9. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » Ils n'ont point atteint les jours des années, la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ok, donc c'est Jacob qui reconnaît que ses pères ont passé plus de temps ici durant leur pèlerinage. Mais lui, Jacob, son jour de pèlerinage est de 120 ans. Non, 130 ans, il a dit. 130. Voilà, 130 ans. Il a dit, ah, ses jours de pèlerinage. Ça m'a mené à comprendre que Jacob, lui, savait combien de temps il devait passer ici. Mais nous autres, on ne sait même pas combien de temps on doit passer, n'est-ce pas? Il nous a dit que c'est 120 ans. Nos jours tournent autour de 120 ans maximum. Entre 70, après il a dit 70 ans aussi. Donc jusqu'à 120 ans, c'est notre jour maximum de pèlerinage sur la terre. Après les 120 ans de pèlerinage sur la terre, toi tu t'en vas. Si tu as atteint les 120 ans, bien sûr. Il y en a qui vont plus tôt. Alléluia. Ça dépend de lui. Alléluia. Donc, Jacob a dit quoi? Lui, ses jours sont de 130 ans. C'est-à-dire, il n'a pas eu cette grâce d'avoir eu des jours comme ses pères. Parce que ses pères, les patriarches, d'autres avaient 900 ans, n'est-ce pas? Ils vivaient quand même jusqu'à 900 ans. Combien? 800 ans. Donc, il s'appelle Methuselah ou Mathusalem. Il a fait 969 ans de pèlerinage sur la terre. Et puis, il est parti. Donc, Jacob a dit quoi? Moi, mes jours sont de 130 ans. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir ces jours-là comme mes pères, qui eux ont fait 800 ans, 700 ans, lui il a eu 130 ans de pèlerinage. Bon, chacun de nous, je ne sais pas quel est ton jour de pèlerinage sur la terre. Mais tous, nous sommes des voyageurs. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en transit, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas venus pour rester ici. Nous n'allons pas rester ici. Nous partons quelque part. Nous allons quelque part. Nous sommes des citoyens, nous pour nous, nous sommes des citoyens célestes. Comme Jésus est venu nous permettre de rentrer dans le royaume. Il nous a laissé ici pour un temps. Il dit quoi? Il viendra nous chercher. Et puis nous allons rentrer dans notre patrie. Nous allons rentrer chez nous. Où nous allons nous, vraiment être à l'aise. N'est-ce pas? On est mieux que chez soi, n'est-ce pas? Quand tu es un étranger, est-ce que tu cherches à être à l'aise? Hein? Un étranger, est-ce que tu cherches à t'installer, à avoir des racines? Non. Tu es là pour un temps. Tu sais que tu es un étranger. Tu vas partir bientôt. Donc, tes calculs là, tu fais en fonction de ton départ. N'est-ce pas? Moi, je connais quelqu'un comme ça qui prêche, un serviteur qui prêche que Jésus revient bientôt. Et à cause de ce que Jésus revient bientôt, il ne s'achète même pas des chemises. S'il y a une seule chemise là, deux chemises, ça suffit. Parce que Jésus revient bientôt. Il ne s'encombre pas des choses inutiles. Tout ce qu'il a, il met à la disposition du Seigneur. Parce qu'il faut s'aimer dans le royaume, il faut organiser le royaume, il faut faire en sorte que le voyage soit préparé. Donc, il ne s'accommode pas des choses terrestres.
Il ne focalise pas sur les choses de la terre. Il ne perd pas son temps. Il sait qu'il s'en va bientôt. Donc, il maximise sur les choses d'en haut parce que bientôt, il va retrouver son père. Quelle serait sa place là-bas? Donc, il maximise. Depuis le temps que je le connais, ça fait, je sais pas, quelques temps, il prêche. Jésus revient bientôt. Quand tu lui parles de maison, il dit, il n'en a pas besoin. Ça, c'est une foi, ça. On lui parle de maison, il dit, il n'en a pas besoin. Il va faire quoi avec une maison sur la terre? Il s'en va bientôt. Dieu est en train de lui préparer une place là-bas. Il s'en va bientôt. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui est en lui, que Jésus revient bientôt et que vraiment il a une place. Pendant que nous, on entend de lutter, Seigneur, tu ne m'as pas donné maison ici. Un étranger, hein? Un étranger sur la terre, un passager. Ils sont en train de pleurer. Où est ma maison ici? Hein? Seigneur, je veux ceci. Ils courent après les choses terrestres. Et puis, ils s'oublient. Ils s'oublient qu'il n'est pas chez lui. Il est venu quelque part, il s'en va quelque part. Il est en transit. Quand vous voyagez dans l'avion, souvent on fait Abidjan-Paris. Abidjan-Paris, quelquefois on fait escale à Bamako. N'est-ce pas? Et pendant l'escale, on descend et puis après on va réembarquer. On nous appelle des passagers en transit. Quand tu es en transit là, tu veilles. Parce que si tu t'oublies que tu dors, l'avion va décoller pour te laisser. Ah oui? Un passager qui est en transit est un passager qui veille. Qui veille, qui attend impatiemment le temps et l'heure pour ne pas rater le vol. Donc nous les passagers de la terre, qui sommes en transit sur la terre, nous devons veiller. Nous devons veiller et prier comme la Bible nous le demande. Veillez et priez parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure où le vol va décoller. Vous comprenez, non? Vous ne savez pas quand le vol va décoller. Si pendant qu'il est l'heure, on appelle pour décoller, tu es quelque part, d'un gloglo, d'un oué, c'est ça, non? Alléluia! Hein? Le vol, on entend de prêter. Pendant qu'on entend de. Nous, on a la queue, on s'aligne, tu es dans un oué quelque part. Si le vol a décollé pour te laisser, tu ne seras plus citoyen céleste. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes en transit. Donc nous devons être conscients. Et nous devons être préparés à l'enlèvement. Nous devons être préparés à ce jour-là où le vol va décoller. Ce jour-là où le Seigneur va venir. On dit qu'il viendra. Vous avez vu les films là où il vient et puis maintenant les hommes sont arrachés comme ça de la terre un à un. Et puis ils s'en vont. Et puis les autres se demandent, oui, mais on ne comprend pas. Mais ils s'en vont. Ils s'en vont. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Je ne suis pas de la terre, j'ai un royaume. Si tu es venu suivre Jésus, il faut savoir que tu as un royaume. Tu n'es pas de la terre. Donc le jour va venir où on va te dire rentre. Viens, on s'en va. Donc il faut être prêt. Parce que pour rentrer, pour partir dans cet avion-là, il y a des conditions. On ne rentre pas comme ça. Il y a des conditions. Quand l'avion sera prêt, le check-in pour rentrer à la porte. Si tu es dans un oué, tu restes. Hein? Tu vas rester. Donc, attends. Donc, tu vas passer, disons, peut-être 120 ans, 100 ans sur la terre, avec ces pacotilles que tu vois là, à jouir de ces pacotilles là, à te contenter de ces choses, en train de rechercher ces choses, et puis tu ne vas même pas entendre l'hôtesse en train de dire, il est l'heure. Oui. Parce que quand tu es à l'aéroport, quand tu es en transit, tes oreilles là, c'est connecté. Tu écoutes attentivement. Parce que si on appelle que tu n'as pas entendu, toi tu es resté. Et si tu es trop préoccupé, quand l'hôtesse parle là, tu n'entends rien. Ceux qui ont déjà voyagé savent comment ça se passe. Si tu es trop préoccupé, quand le Seigneur va envoyer les signes de sa venue, tu ne sauras même pas que le temps est proche. Tu seras dans un oué. Ne sachant pas que le temps est proche, que bientôt nous allons décoller et on risque de décoller sans toi. Tu vas rester sur la terre. Il y a quelque part, le jour où on va étudier les derniers jours et tout ça là, la fin du monde, vous allez voir que le Seigneur dit quelque part que quand il va venir, quand il va enlever son église, ceux qui vont rester là, le diable, il va gérer vous. Toi qui fais, dis que tu es de Dieu, tu es de Dieu, tu es chrétien, tu es chrétien, et puis tu restes. Ah, faut lire l'Apocalypse, tu vois, parce que le diable te réserve. Vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaissez pas ces choses.
Vous pensez qu'on est au hasard comme ça? Vous n'avez encore rien vu. Ce que le diable vous a réservé là, vous allez voir. On dit d'abord, il va chercher à vous marquer du 666. Si tu refuses qu'il te marque, tu vas voir. Parce que s'il te marque, ça va à toi directement en enfer. Mais si tu refuses aussi qu'il te marque, il va te montrer, il va te décapiter. Le diable, il ne va pas vous laisser. Si l'avion est parti, si la porte de l'avion est fermée, et la Bible dit, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On dit, Jésus revient bientôt. Vous voyez des passages, c'est écrit, Jésus revient bientôt. Jésus revient, c'est comme si ce n'est pas à vous qu'on parle. Jésus revient bientôt, ça ne dit rien à personne. Puis on dit depuis longtemps, non, il a dit revient bientôt, donc il n'est pas encore venu. Mais est-ce qu'il revient maintenant? Ah ah! Oui! Dans l'amusement là, est-ce qu'il revient? N'est-ce pas? Dans l'amusement là, s'il revient, et l'avion ne va pas revenir deux fois. Il ne va pas revenir vous chercher deuxième fois. C'est un seul vol. Tu es en transit. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui est en transit. Quelqu'un qui se prépare. Quelqu'un qui s'apprête. Quelqu'un qui écoute la parole pour savoir les temps et les saisons. Pour comprendre si le temps est arrivé. Comment se préparer au voyage. Parce que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous ne devons pas nous comporter comme les païens de la terre. Nous ne devons pas avoir les mêmes soucis comme les païens de la terre. Nous devons être différents. Notre problème n'est pas d'ici. Tu fais un tour à Paris, tu n'es pas un Parisien. N'est-ce pas? Tu fais un tour à Bamako, tu n'es pas du Bamako. N'est-ce pas? Tu es parti pour le ciel. Donc tu t'apprêtes. Tu es en train de t'arranger. Tu n'as pas les mêmes projets que les terrestres. Tu n'as pas les mêmes visions que les terrestres. Ils sont chez eux. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Si Jésus était terrestre, il serait resté. Mais Jésus n'est pas venu pour rester. Donc il leur a laissé ça. Ça, on a déjà donné au diable. Sinon, Jésus pouvait prendre. Pourquoi Jésus n'est pas resté? Il dit, bon, allez, je suis arrivé sur la terre. C'est moi qui ai créé, c'est pour moi. On dit, il a créé toutes choses. Mais cette part-là, on dit, on a donné au diable. La terre et tout ce qui contient là, c'est pour le diable. C'est pour ça que Jésus, le diable a dit à Jésus, si tu te procèdes et que tu m'adores, là, il te donne, il dit, j'ai fait quoi ça? Ça, c'est moi qui t'ai donné. N'est-ce pas? Donc, nous devons nous préparer à l'enlèvement. Parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des voyageurs. Lisons Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Il dit quoi? Veillez, soyez vigilants. Parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça veut dire quoi? Tous les jours que Dieu fait, tu dois être prêt. Tous les jours que Dieu fait, tu dois être prêt. Parce que si la chose te surprend, on ne va pas t'attendre. Si le départ te surprend, on ne va pas t'attendre. L'avion va décoller. Si tu n'as pas encore compris qu'on est en transit aujourd'hui, là, il faut comprendre que tu n'es pas chez toi. Ici, là, on dit quoi? Admission temporaire. C'est pour ça qu'on appelle, non? On dit admission temporaire. On t'a admis ici là pour un petit temps. Le Seigneur a dit quoi? Si c'est trop, c'est 120 ans. Mais ton éternité, qu'on ne peut pas calculer, parce que quand on dit éternité, ce n'est pas 120 ans. 120 ans peut-être c'est une goutte d'eau dans ton éternité. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Donc tu es là comme un passager, tu es en admission temporaire, tu es là pour un petit temps. Si l'avion décolle, tu vas passer ton éternité en enfer. Si l'avion décolle sans toi, ça dit même si tu as été sélectionné, été choisi, mais si tu n'es pas prêt, si tu ne te prépares pas, on dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et puis dit à celui qui vaincra. N'est-ce pas? Comme même si tu es chrétien, si tu n'es pas parmi ceux qui ont vaincu, tu vas rester. À celui qui vaincra, je vais lui donner l'arbre de la vie éternelle. Donc ta vie, ta marche sur cette terre doit être une marche pour te préparer tous les jours à être enlevé. Tu dois être prêt tous les jours à être enlevé. Tu ne dois pas te distraire avec les biens terrestres. Parce que les biens terrestres, Satan aujourd'hui fabrique tellement de belles choses pour éblouir et détourner les enfants de Dieu. Oui, c'est fait exprès pour nous détourner, pour nous éblouir, pour nous attirer. Quand il fait ces choses-là, tu t'oublies, tu oublies ta
ta citoyenneté céleste et tu commences maintenant à poursuivre les choses terrestres. Il fait ça pour te distraire, pour que tu rates l'avion. Satan, on dit, il est très malin et il est très rusé. Et puis il cherche qui il va dévorer. Donc pendant que vous vous oubliez que Satan est malin et rusé, lui il n'oublie pas. Lui il a calculé vous. Il a calculé votre avenir en enfer avec lui. Donc il envoie tout ce qui est beau, tout ce qui est tapage, tout ce qui attire. Et quand tu as la convoitise de ces choses, tu t'oublies et puis tu tombes dedans. Et tu commences à te plaire sur la terre, à rechercher les grosses voitures, à rechercher les grosses maisons, à briller, à faire ceci. Toutes ces pacotilles, quand Satan te projette tout ça, c'est pour t'écarter de l'objectif final. Satan a un objectif, hein? C'est pour t'écarter de l'objectif final. Donc tu ne dois pas marcher sur la terre comme un ignorant et comme un insensé et tomber dans le piège de Satan. Tu dois être vigilante, te surveiller nuit et jour. Vigilante. Toutes ces propositions qu'il t'envoie, tu les rejettes. Parce qu'il ne faut pas qu'on t'attrape dans un oué. Le jour où l'avion sera là. Alléluia. Tu es un citoyen céleste. Tu as une patrie céleste. Tu as été sélectionné pour faire partie du royaume de Dieu. Pendant que d'autres n'ont pas été sélectionnés. Donc toi là, tu es supérieur. Tu es un être d'en haut. On dit celui qui est d'en haut est supérieur à celui qui est sur la terre. Donc ne sois pas ébranlé par ce que tu vois sur la terre. Ce qui t'a été réservé dans le ciel est meilleur et plus précieux. Donc tout ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est comment ce jour peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce jour arrive? C'est-à-dire, nous, notre rôle, il a dit quoi? On n'a qu'à vite évangéliser. Parlons vite du Seigneur pour que ceux qui veulent partir disent oui. Et ceux qui ne veulent pas partir disent non. Pour que le jour arrive, qu'on parte. Parce que plus on perd le temps, plus Satan est en train de nous distraire. Vous comprenez, non? Plus tu dures, plus c'est dangereux. Donc il est mieux que le Seigneur vienne vite pour qu'on parte. On n'a qu'à finir avec cette affaire-là. N'est-ce pas? Mais pour que ça finisse, il dit de prêcher. Parce que si des gens n'ont pas entendu, que ces gens-là restent, ils vont dire, nous, on n'a pas entendu, on nous a laissé, on ne nous a rien dit. Ils vont accuser le Seigneur. Or, si tout le monde a entendu, que chacun a pris sa décision, on est tranquille. Celui qui veut partir, il commence à se sanctifier. Celui qui veut rester, il commence à être dans sa débauche. Et puis les dés sont joués, l'avion vient, ceux qui sont prêts, ils s'en vont. Ceux qui ne sont pas prêts, ils restent. C'est un choix. On dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons être conscients que nous sommes en transit. Nous ne sommes pas de la terre. Nous ne devons pas rechercher les choses de la terre. Nous devons nous affectionner aux choses célestes. Pendant que tu es en transit, toute ta pensée, c'est là où tu vas. Tu es là, tu es assis dans le pays et tout, mais tous tes calculs, c'est quand tu vas arriver, ce que tu vas faire, ce qui va se passer là-bas, tous tes rendez-vous. C'est comme ça, on projette pour le futur. Donc nous projetons ce qui va arriver dans le futur. Mais nous ne calculons pas à faire des choses ici comme si nous étions des membres de cette terre. Nous sommes ici, nous sommes restés, il a dit quoi? Jésus a dit, je ne prie pas pour que tu les enlèves. Hein? C'est-à-dire, Jésus aurait pu prier à Dieu pour dire que dès qu'ils sont convertis, ils n'ont qu'à partir. Il dit non. Il faut qu'il reste parce qu'on a du travail à faire. Tu t'en vas et ta famille reste. Qui va parler à ta famille? Comprenez? Tu t'en vas et ta famille reste. Non, moi je vais voir tout le monde auprès de moi. Donc on reste et puis chacun évangélise sa famille. Chacun parle du Seigneur. On essaie de gagner le maximum de personnes. On essaie d'arracher le maximum de personnes à Satan. Lui, il veut tuer tout le monde. Mais nous, on ne peut pas lui permettre. N'est-ce pas? Nous avons la solution du monde. Nous avons la solution, le salut de l'humanité. Nous l'avons, le nom de Jésus. Donc nous devons prêcher cette solution-là au monde. Nous devons prêcher ce salut-là au monde pour que le monde entende Jésus et que le monde sorte de ce monde de Satan. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes en mission. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes venus en mission. Nous sommes temporaires sur la terre. Nous ne devons pas nous conformer aux choses terrestres. Nous ne devons pas nous oublier. Chacun doit essayer de penser, quelle est ma mission? J'ai été sauvé, Seigneur. Où est-ce que je dois commencer à œuvrer? Comment est-ce que je dois commencer à arranger cette affaire? C'est-à-dire, on doit commencer à paqueter nos affaires. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois évangéliser? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'avion, c'est pour bientôt. Seigneur, utilise-moi comme tu veux. C'est ça, notre objectif. Tout chrétien doit être en mission pour le Seigneur maintenant. C'est ça. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit être en mission pour le Seigneur.
On ne doit pas être là à se réjouir sur la terre comme si nous étions des terrestres. Quand Jésus est venu, il a fini sa mission, il est rentré. Il n'est pas resté. Vous croyez qu'il n'a pas vu toutes ces belles choses? Il y avait des bateaux, des jolies, jolies choses, non? N'est-ce pas? Il y avait beaucoup de belles choses. Mais il a fini, il est venu en mission, il n'est pas venu pour ça. Quand il a fini, il est rentré. Donc que chacun de nous ait à l'esprit que quelle est ma mission, Seigneur? Fais-moi faire ma mission et puis fais-moi rentrer. Je vous dis certainement qu'il n'y a rien de bon comparé à ce qui nous attend. Il n'y a rien de bon. Ne vous laissez pas distraire et entraîner. Ne vous laissez pas détourner du chemin par quelques pacotilles. Comme on dit, quelques broutilles. Ne vous laissez pas entraîner. Lisons Hébreux 11, 16. Et puis Jean 14, 2 et 3. Même maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Dieu leur a préparé une cité. Lis encore Jean 14, 2 et 3. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Vous voyez, vous pensez que Jésus est en train de mentir? Sincèrement. Il dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Dans son royaume, il y a beaucoup de maisons là-bas. Donc il s'en va et puis il va nous préparer une place. Et quand il va venir, quand il va finir de préparer les places, il va venir nous chercher pour que nous puissions aller aussi habiter avec lui. Parce que nous sommes du royaume de Dieu. Donc quand Jésus dit ça là, il ment ou bien c'est la vérité? Bon, si c'est la vérité, toi tu cherches quoi dans ici là? Amen. Jésus lui-même il te dit que où je m'en vais là, il y a beaucoup de place. Si tu crois en tout ce que Jésus a fait pour toi là, tu dois croire aussi en ça, n'est-ce pas? Il dit il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père et il s'en va préparer. C'est-à-dire lui-même Jésus s'en va arranger ta maison. Maison pour laquelle tu pleures ici. À cause de ça tu vas vendre ton âme au diable. Jésus, il dit lui il s'en va préparer ta maison. Est-ce que tu dois pleurer pour une maison terrestre? Ou bien tu crois que, bon, de toute façon, Jésus est en train de dire là, ah, maison céleste, c'est en quoi même ça? C'est du vent ou bien? Peut-être c'est un vent. On est tellement physique, n'est-ce pas? Il dit, ça nous préparait une maison. On voit ça comme un truc, je ne sais pas si c'est la neige. Amen. On voit ça comme la neige. Alléluia. On dit, le Seigneur lui-même, il est assis à la droite de Dieu là-bas. Et puis là-bas, on dit 24 vieillards qui sont toujours en train d'adorer le Seigneur, qui crient Saint, Saint, Saint. Mais il y a une vie là-bas. Il y a une vie. C'est un royaume. Dieu est là-bas avec ses anges, les serviteurs. Donc il y a quelque part qu'on appelle la cité céleste. Nous, on n'est pas encore partis là-bas, c'est vrai, mais ça existe. Sinon, actuellement, là, où est Jésus? Où est Jésus? Mais il est là-bas. Occupé à nous préparer des places, occupé à faire nos maisons. Il est là-bas. Et c'est là-bas le paradis de Dieu. Et c'est là-bas que nous allons passer notre éternité avec Dieu. Donc quand Jésus dit que je m'en vais vous préparer une place et puis je vais venir vous chercher, mais faites attention. Vous devez veiller sur vos vies. Vous devez suivre vos vies. Parce que le Seigneur vous a tellement aimé qu'il a décidé que vous allez habiter dans sa maison. Tu vas habiter avec le diable ou bien tu vas habiter avec Dieu? Si tu veux habiter avec le diable, comporte-toi comme un étranger sur la terre. Ne rentre pas dans ces choses. Parce que quand il va venir, s'il ne te trouve pas à ton poste, s'il ne te trouve pas à ton poste, tu ne partiras pas. Tu ne vas même pas entendre même qu'un avion arrive. Ils vont venir, tu seras là. Et puis maintenant, on dit dans le lit, il y a un mari, il y a une femme. Paf, la femme s'en va, le mari reste. Oui? Vous n'avez pas vu ça? C'est dans la Bible. Hein? On dit vous serons deux.
Peut-être au travail. Vous êtes au travail, vous êtes assis comme ça, puis un coup, ton voisin, pas, il est parti, tu es resté. Et ça a pleuré, oh. Amen. Malheureusement, la vie ne vient pas deux fois. Même si tu as pleuré, tu es resté. Et c'est pour ça que moi, amusement comme ça, je ne suis pas dedans d'air. Amen. Et je ne veux pas ça du tout. Amusement où on ne sait pas, et puis on va, il est parti, tu es resté. Et puis il n'y a pas deuxième tour. Et puis voilà le diable, voilà toi. Et je ne suis pas dans ça. S'il faut me sacrifier, j'ai sacrifié tout. Et puis j'attends le jour là. Mais c'est ça. Si tu joues avec ta vie, le diable va jouer à toi. Faut faire attention. Le diable est en train de t'endormir. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place et puis je vais venir vous chercher. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Que de faire ce qu'il y a à faire pour que ton temps arrive et que tu partes dans cette place. Vous vous rappelez l'histoire du riche et du pauvre Lazare? Lazare, on dit, souffrait ici. Il mangeait les miettes d'un certain riche. Mais quand Lazare est rentré au paradis, c'est le riche maintenant qui demandait pardon à Lazare pour lui donner de l'eau à boire. Donc, quelle que soit la condition que tu traverses ici, c'est pour un petit temps, tu es en transit. Dans le temps là, quand nous on prenait les avions, on partait dans certains aéroports. Mais des aéroports qui n'étaient pas encore des aéroports de haut niveau, il faisait chaud. Dans les aéroports, on ne pouvait même pas tenir. Deux fois, il y avait des odeurs. Mais tu te fais doucement, doucement, doucement. Quand le temps du vol arrive, paf, tu es parti. Tout le reste, ça ne te regarde plus. C'est pour un petit temps. Ça ne dure pas. Donc, même si tu souffres maintenant, souffre pour le Seigneur. Hein? Ces histoires d'évangile, qu'on va vous dire non avec Jésus, tu ne souffres plus. Ce n'est pas ici. Vous avez compris? Ce n'est pas ici. Avec Jésus, tu ne souffres plus là. C'est quand nous serons dans notre royaume. Là-bas, il n'y aura plus de souffrance. Mais ici, là, on a décapité les apôtres. On les a lapidés. On les a tués. Donc, même si on te tue ici, ce n'est pas un problème. Ils vont même faire que tu vas arriver vite. Aïe. Paul a dit quoi? La mort m'est un gain. Sinon, je fais quoi ici, dans ce monde-là? Problème. C'est un monde de problèmes. C'est un monde qui est gâté. Le temps arrive pour qu'il soit simplement brûlé. Donc, toi là, ne te focalise pas sur ces choses. Commence à te préparer et à t'apprêter pour le ciel. Amen. Alléluia. Nous sommes citoyens célestes. Jésus allait préparer ma place. Je dis, quand je suis là comme ça, et puis je sais que Jésus est en train de préparer ma place, oh! C'est ce qui me retient, hein? C'est ce qui me donne toute ma joie. C'est-à-dire, tout, sur cette terre-là, tu peux m'arracher tout ce que tu veux. Mais je suis tranquille, parce que ma place est réservée pour l'éternité auprès de mon Seigneur. Là où plus personne ne pourra plus me faire de mal. Là où plus personne ne pourra plus rien me faire. Là où je ne vais plus pleurer. N'est-ce pas? Si tu pleures ici, ce n'est pas grave. Vous avez compris? Ce n'est pas grave. Ne recherchez pas le bien-être ici. Le bien-être matériel ici. Ne recherchez pas ça. Il dit cherchez le royaume d'abord. Sécurisez votre place au ciel. Sécurisez votre place. Et comment sécuriser sa place? En faisant sa volonté. Vous comprenez? Parce que quand on va arriver dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de rebelles là-bas. Des gens qui ne pratiquent pas la volonté de Dieu, ça n'existe pas là-bas. Donc si tu n'as pas appris à pratiquer la volonté de Dieu ici sur la terre, c'est pas là-bas que tu vas aller faire ça. Tu ne peux pas blaguer Dieu que non Seigneur, ici là j'étais comme ça, mais si il rentre là-bas tu vas voir, il est changé. Tu ne peux pas le blaguer. Et puis il n'y a pas un endroit, les gens souvent disent qu'il y a un endroit qu'on appelle le purgatoire. Tu vas rentrer là-bas, là-bas on va nettoyer tes péchés, et puis maintenant à partir de là maintenant tu vas rentrer au ciel. Ce n'est pas dans la Bible. Oh. C'est-à-dire que tu vas aller attendre au purgatoire et puis ici les gens vont prier pour demander pardon à Dieu pour que toi ils te prennent. C'est ça que ça veut dire je crois. C'est le système du purgatoire non? Tu vas attendre là-bas et puis ceux qui sont sur la terre maintenant vont prier. Seigneur pardon prends-le, c'était un voleur ça fait rien, il n'a qu'à rentrer. Il avait trois femmes ici, ça fait rien Seigneur prends-le. Il était voleur, il était menteur, oh papa prends-le, fais-le rentrer, fais-le rentrer. Donc toi tu t'en vas attendre là-bas après avoir fait tout ce que tu veux. Hein? Le pire des pécheurs,
Sur la terre ici, tu ne prends aucune décision, tu vis ta mauvaise vie contre Dieu. Et puis quand ton temps arrive, que ça a sonné, tu t'en attends dans un endroit. Et puis là-bas maintenant, ceux qui sont sur la terre vont commencer à prier pour que Dieu te fasse rentrer. Ah! Pourtant, Dieu a déjà dévoilé tout son plan, comme on rentre. Il a déjà dit tout ce qu'il faut faire pour rentrer. Il t'a déjà dit de t'apprêter pour rentrer. On a tout dit. Tu n'écoutes pas maintenant. Tu attends que tu partes et puis on prie pour toi. Tu es mauvais. Toi là, tu es un voleur. Hein? Ça dit, tu sais très bien que ce que tu entends de faire n'est pas bon. Et puis maintenant, tu attends le purgatoire. Mais quand même, vous-même, quand vous réfléchissez, c'est normal que tu vives n'importe comment. Et puis tu attends maintenant quand tu vas mourir. Et puis les autres vont prier pour toi. Et puis tu vas rentrer. Non, mais c'est méchant. C'est méchant pour toi-même. C'est méchant pour toi-même. Tu vas rester. Le diable va te blaguer. Et puis il va te prendre en enfer. C'est ça il s'agit. C'est le diable. Tout ça, c'est le diable. C'est un mensonge diabolique pour te troubler, pour te tromper. Et pour te faire croire que tout est permis ici sur la terre. Fais ce que tu veux. Écoutez, s'il y avait un purgatoire, Jésus ne serait pas venu sur la terre ici pour nous dire de faire ce qu'il a fait. Comment voudriez-vous que d'autres se privent, ils se sanctifient, n'est-ce pas? Ils marchent selon la voie de Dieu pour rentrer, et puis d'autres ne font rien, et puis ils vont rentrer. Mais Dieu n'est pas un Dieu juste. On dit Dieu est un Dieu juste. Il n'y a pas deux poids, deux mesures chez Dieu. Dieu nous montre comment on rentre. Nous autres, on a tout sacrifié. On nous offre des choses, on refuse. On nous donne ceci, on refuse. Parce qu'on ne veut pas souiller notre âme. Maintenant, certains, eux, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. N'est-ce pas? Ils ont des maîtresses, ils font tout. C'est ça. À volonté. Pendant que nous, on se prive. C'est ça. Et puis, comme ça, il y a un endroit où ils vont aller se laver. Bon, allons-nous tous nous laver là-bas? Jésus n'avait pas besoin de venir s'il y avait un endroit où on pouvait se laver. Il n'avait pas besoin de venir sur la terre. Si cet endroit-là existait, Jésus ne serait pas venu ici. Le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, c'est par la repentance, le pardon de nos péchés. On se détourne et maintenant on commence à marcher comme Dieu veut. Il n'y a pas un autre moyen pour être sauvé. La Bible n'a jamais dit qu'il y a un endroit où tu vas aller où on va te laver. C'est ici sur la terre là, on peut te laver. Nous sommes des voyageurs. Je dis retenez ceci. Nous sommes en transit, retenez ceci. Donc notre comportement doit être un comportement de voyageur. Quelqu'un qui est conscient que le bateau, l'avion va d'un moment à l'autre garer. L'hôtesse va d'un moment à l'autre commencer à parler. Si tu n'es pas sur le réseau, tu ne vas pas entendre. Si tu n'es pas capté sur le réseau, tu ne vas pas entendre. Si tu es distrait par les choses de la terre, tu ne vas pas entendre. Tu ne feras que voir les gens autour de toi partir un à un. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et Satan, lui, pour rire. Alléluia. Lisons Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Et de quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas? Commençons à aimer les choses d'en haut, les choses de notre patrie, et non à nous focaliser sur les choses de la terre. Les choses de la terre, on les connaît. Hein? Chaque jour, le diable sort un nouveau cellulaire. Il appelle ça G7. Comment il appelle ça même? iPhone 7. Quand il finit de faire le 7, maintenant il est là quand même au matin, il sort le 8. Tu dois laisser le 7, chercher maintenant l'argent pour acheter le 8. Pendant ce temps, il a déjà préparé le 9 et le 10. Oui, donc apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Le 9 et le 10, peut-être même le 20 est prêt. Il va finir avec toi, avec le 7. Hein? Ton argent, un peu d'argent, il va ramasser ça. Quelque temps après, c'est vieux. Il faut encore tracasser. Il faut encore aller se donner à quelqu'un pour qu'il t'achète le 8. Il faut encore aller t'offrir.
C'est-à-dire qu'il a fini avec toi, il t'a condamné déjà, il a marqué un but. Et maintenant, il faut aller encore te donner un autre. Ou il faut aller voler. Ou bien il faut aller tricher. Ou bien il faut aller faire des malversations. Parce que de jour en jour, c'est compliqué d'acquérir ces choses-là. Il faut rentrer dans du faux pour les avoir. Il faut rentrer dans du faux. Parce qu'il fait tout ça, il les fait briller. Et puis ton cœur est dessus. Et puis il faut mentir quelque part. Oui, il faut faire quelque chose de faux. Si tu es dans le vrai, ça ne passe pas. Il faut faire quelque chose de faux pour atteindre ça. Donc, de jour en jour, quand il a fini, il sort le nouveau. Quand il a fini, BM numéro combien, I37 ou bien I35, il a préparé le I500. Et toi, toute ta vie, tu suis, bêtement. Il finit le 7, il te gagne comme un mouton. Fais le 8, te prépare dans le 10, et le BM temps, et le numéro, et tu évolues avec. Et tu es endetté. À quoi ça, tu vas aller prendre dette? Tu vas prendre des dettes, acheter des bijoux. Tout ça là, quand le jour va arriver, ça va rester ici. Tu ne vas pas partir avec quelque chose. Tu es un étranger, bagage autorisé, zéro. Amen. On s'en va sans bagage, n'est-ce pas? Dans Air France et tout ça, on dit, je crois, 23 kilos, tout ça là, des fois tu peux payer des kilos en plus, tu peux transporter. Ça, c'est pour la terre. Mais tout ce que tu es en train de chercher à magasiner, à cause de ça, tu es en train de te souiller, mentir, voler, tricher, te donner à gauche, à droite là. Le jour où ton temps arrive que tu pars, bagage autorisé, zéro. Tu t'es vendu pour rien. Tu t'es souillé pour rien. Tu t'en vas avec le témoignage qui va te condamner. Et le diable, lui, il va jubiler parce qu'il t'a eu dans son camp. Tu es un étranger sur la terre. Tu es un étranger sur la terre. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quelle chose d'en haut, par exemple? Une chose d'en haut? Que tu sois, peut-être, plus spirituel. Que tu sois un homme de prière. Que tu commences à intercéder pour que les âmes qui sont encore emprisonnées entre les mains de Satan soient libérées. Donc tu te mets là comme un intercesseur pour le royaume. Parce que bientôt nous allons partir. Et Satan est encore en train de troubler les enfants de Dieu. Donc moi, ma décision, je serai intercesseur pour le royaume. Je vais troubler Satan jusqu'à ce qu'il libère les enfants de Dieu. Vous voyez, affectionnez-vous aux choses célestes. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit, le Saint-Esprit sans mesure, pour que vous puissiez démontrer le caractère de Dieu sur la terre. Amen. Nous, les citoyens célestes, normalement, la Bible dit quoi? Le monde attend la révélation des fils. On pensait que c'est dans des grosses voitures. Ce n'est pas fils dans des grosses voitures, dans le mensonge. N'est-ce pas? C'est des fils qui ont le caractère de Dieu, qui manifestent Dieu, qui manifeste la vie de Dieu sur la terre. Que la terre voit une différence, que toi tu es un étranger. Qu'on ne te confonde pas aux gens du monde. Tu ne dois pas être confondu. Quand tu vois en France, il y a blanc et puis il y a noir. N'est-ce pas? On doit voir que tu n'es pas d'ici. Ton objectif n'est pas d'ici. Ta fonction n'est pas d'ici. Ton royaume n'est pas d'ici. Il faut que tu te distingues. Ta manière de marcher va nous dire qui tu es, à quel royaume tu appartiens, tes objectifs terrestres vont nous dire. Donc il faut que tu te distingues maintenant. On dit le monde attend la révélation des fils parce qu'on les cherche. Il faut que le monde te retrouve comme un enfant de Dieu, dans une communauté, dans une congrégation. Il faut qu'on sait, attention, lui là on ne peut pas faire ça à lui. Hein. Attention, celui-là si tu vas, ça ne va pas marcher. Qu'on dise ça de toi. Quand il y a les faux coups, qu'on te cite comme quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui ne marche pas avec ça, quelqu'un qui ne rentre pas dans ça, c'est ça le témoignage que tu dois avoir. Mais tu ne dois pas te conformer au monde, tu ne dois pas comme les autres, et puis tu penses que l'avion va venir et toi tu vas entendre, tu n'entendras pas. Tu dois te préparer, te disposer, étudier la parole, commencer à marcher dans les pas du Seigneur. Commencer à aimer la parole de Dieu, aimer Christ, c'est celui-là qui va te faire partir au ciel. C'est Christ. Tu dois aimer. Lisons la suite pour terminer. 1 Pierre 1:17. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge
selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Il dit quoi? Il va nous juger, n'est-ce pas? Donc, conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Parce que à la fin de ton pèlerinage, à la fin de ton séjour, tu seras jugé digne de prendre l'avion ou pas. Vous comprenez ça? À la fin de ton pèlerinage, quand ton temps de pèlerinage va être clôturé, tu seras jugé digne de prendre cet avion ou pas. Tu seras jugé de rentrer dans le royaume de Dieu ou pas. Il ne s'agit pas simplement d'avoir dit que non, j'ai accepté Jésus, j'étais à l'église, j'étais présent, mais tu seras jugé. Donc il a dit quoi? Pendant ton temps de pèlerinage, il faut te conduire avec crainte. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre ce dernier jour. Il faudrait que je fasse partie. Donc, je marche comme quelqu'un qui est en transit. Je ne joue plus avec ma vie. Je ne me laisse plus entraîner par des prédicateurs de bonbons, de bonnes nouvelles de bonbons, de biens terrestres, de biens matériels, de comment être heureux sur la terre. Je n'ai pas besoin d'être heureux ici. N'est-ce pas? Pierre, il n'a pas été heureux ici. Est-ce que Paul a été heureux sur la terre? Est-ce que Paul et Pierre, est-ce que les apôtres cherchaient à être heureux ici? Regardez la Bible. Essayez de voir. Est-ce que c'était bien qu'ils cherchaient? Regardez toute la Bible. On ne parle même pas des biens. Il dit, ceux qui s'occupent de comment m'habiller, de ce comment manger, ce sont des païens. N'est-ce pas? On ne parle pas de ça. Ce dont on parle, nous, enfants de Dieu, c'est préparer le royaume. Il dit, prêcher la bonne nouvelle, annoncer le royaume. Préparons notre voyage. On continue la lecture. 1 Pierre 2, 11 à 13. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. N'est-ce pas? Parce que les convoitises charnelles vont empêcher ton âme, ils vont combattre ton âme. Qu'est-ce que ces convoitises veulent? Ce n'est pas que ton âme entre dans le royaume. Donc ils vont combattre ton âme, on va te présenter les choses terrestres. Et à cause de la convoitise, tu vas être souillé, ton âme va être souillée, et puis tu vas rater l'objectif principal qui est la cité céleste. Nous, étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons avoir une vision, la cité céleste, le royaume de Dieu, notre patrie. Donc nous ne devons pas permettre à ce que les convoitises charnelles, les choses terrestres nous entraînent et nous écartent de notre objectif. Être en transit à Bamako, tu t'en vas à Paris. Donc quel que soit ce qu'on fait, ça ne va pas t'intéresser. Tu as un objectif. Un chrétien a un objectif. Un chrétien a un objectif. Un chrétien ne marche pas au hasard sur la terre. Il a un objectif, il s'en va quelque part. Il s'en va quelque part. Donc tu dois marcher avec la conscience que tu t'en vas quelque part. On continue de lire. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Tout est dit. En tant qu'étranger et voyageur sur la terre, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Que les païens voient vos œuvres et qu'ils glorifient le Père. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est chrétien. C'est-à-dire, tout ce que tu peux dire, je suis de telle église. C'est le nom de l'église là qui te sauve. Mais ton comportement au milieu, parmi tes amis là, on ne sait pas si vraiment tu es un enfant de Dieu. On ne sait pas. On ne peut pas dire, parce que vous êtes presque tous pareils. Hein. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Pour que ces amis-là soient autour de toi, que vous entendez aussi bien, même si eux ne vont pas à l'église, mais tu es comme eux. Tout ce que tu peux dire, non, dimanche, moi, je m'en vais à l'église. Mais dans la semaine, qu'est-ce que nous avons fait ensemble? On dit, ayez au milieu des païens une conduite qui reflète Dieu. Parce que en vous voyant, les païens doivent pouvoir maintenant glorifier Dieu. Est-ce que tes amis, en te voyant, ont la crainte de Dieu?
Est-ce que tes amis, en te voyant, glorifient Dieu? Parce que nous, on ne sait pas ce que tu fais, mais tes amis te connaissent. Et ils peuvent dire qui tu es. Continuons la lecture. 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Alléluia. Amen. Amen. Lisons Éphésiens 5, 27. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Nous devons nous préparer. Ça veut dire quoi? L'église, Dieu entend de nous préparer. L'église se fait pour que la parole de Dieu vienne nous laver tous les jours de tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand vous entendez la parole de Dieu, on a lavé un côté et vous, on continue la progression jusqu'à ce que, on dit quoi? Afin de nous paraître sans tache ni ride. L'avion que nous allons prendre pour décoller là, c'est sans tache ni ride que nous allons rentrer. Est-ce que vous comprenez? L'église que Jésus va enlever, une église sans tache ni ride. Nous devons avoir une robe toute blanche pour pouvoir prendre cet envol. Donc tous les jours, nous sommes rassemblés ici pour être lavés par la parole. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Mais Dieu nous envoie ses paroles. Quand nous les écoutons, nous pratiquons. Et nous, au fur et à mesure, nous sommes rendus tous les jours propres. Nous sommes sanctifiés de jour en jour. Nous sommes lavés de jour en jour. Afin de nous faire paraître, au jour là, sans tache ni ride. Mais toi, tous les jours, tu viens, on parle de la parole, la tâche là. Comment faire ça? Est-ce que la parole arrive à laver ça? N'est-ce pas? Il y a des tâches, nous sommes tachetés. Nous sommes tachetés. Il y a des péchés nous attachés de beaucoup de choses. Donc après avoir accepté, après nous avoir sélectionné, Dieu va nous laver. Il va nous laver. Donc il nous lave continuellement. Quand vous venez écouter, c'est pour vous laver. C'est pour vous laver, parce qu'on doit vous faire paraître sans tache ni ride. Donc, un jour on a lavé, si tu laisses partir la tache, gloire à Dieu. Si ta robe est encore sale, gloire à Dieu. C'est ça que, cette affaire-là, c'est nous-mêmes qui décidons. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour nous préparer. Mais nous-mêmes, nous décidons si nous voulons rester avec Satan ou bien si nous voulons être avec Dieu. C'est nous-mêmes qui décidons. Personne ne décide pour quelqu'un. On dit le salut est personnel. Tu veux être avec le Seigneur, quand la parole vient, accepte. Pour toi qui es dedans, prends et puis lave-toi. Sans tache ni ride. C'est pas avec les biens on va aller au ciel. Pour que tu poursuives les biens matériels. Ce n'est pas celui qui aura reçu tout sur cette terre qui va partir forcément. Lazare, il n'avait rien. Il était pauvre, mais il est parti. Donc j'ai toujours dit, c'est pas parce que tu es pauvre que tu n'iras pas au ciel. Mais je ne dis pas aussi que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Si Dieu te permet d'avoir de la richesse ici, c'est pour le servir. À quoi sert à Dieu de te faire immensément riche sur la terre pour te promouvoir? Non, mais réfléchissez un peu. Tu veux de l'argent, c'est pourquoi? Est-ce que tu ne manges pas? Est-ce que tu n'es pas habillé? Est-ce que tu ne dors pas quelque part? Tu veux de l'argent, c'est pourquoi? Dieu est là pour nos besoins, n'est-ce pas? Nos besoins de tous les jours, n'est-ce pas? Mais pas pour nos désirs, nos projets farfelus. Je suis d'accord que tu demandes un avion au Seigneur. C'est une bonne chose. Mais alors là, quand tu as l'avion, c'est pour aller de ville en ville, de pays en pays, pour proclamer l'évangile. Oui. Maintenant, parce que toi, tu veux être grand. Grand pourquoi? Pour aller où? Grand sur cette terre. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ton pays. Tu n'es pas d'ici. Tu n'as rien à montrer ici. Tu n'as qu'à montrer être fils de Dieu. C'est ça qu'on attend de toi. Si on veut quelque chose de toi, c'est que tu es fils de Dieu. Ce qu'on veut voir là, ce que le monde attend de voir de toi, c'est être fils de Dieu, avoir le caractère de Dieu. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie
et d'entrer par les portes dans la ville. Donc heureux ceux qui vont laver leurs robes. Je n'ai pas dit, la parole vient haut. C'est une église sans tache, une robe propre qui va rentrer là-bas. Donc heureux ceux qui vont laver leurs robes pour avoir part à l'âme de la vie éternelle. Ça c'est dans l'Apocalypse, hein. Ça dit qu'à la fin là, voilà ce qui nous reste. Jésus t'a sauvé, Jésus t'a fait ceci, j'étais chrétien, j'étais... c'est bon. Mais tu seras heureux si tu acceptes de laver ta robe pour pouvoir hériter du paradis. Il a dit à celui qui vaincra. Continue. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça dit que le jour là, quand l'avion, quand on va dire, on s'en va, on monte là, on dit dehors. Quand tu vas venir avec ça, tout ça là, tu ne vas pas rentrer dans l'avion. Voilà. En Apocalypse, il dit voilà. Tu ne rentreras pas dans l'avion avec tes mensonges. Ça ne passera pas. Donc, quand tu mens un là, il faut écrire. Dans la semaine, tout ce que tu mens comme ça là, fais un livre. Ah, c'est ta robe, hein? C'est pas robe de quelqu'un. Tu es en train de coudre ta robe. Si c'est multicolore, tu veux prendre pour rentrer. Tu vas voir la porte. On dit une robe blanche. Donc, si tu veux mentir pour faire plaisir aux hommes, c'est ton problème. N'est-ce pas? Quand le jour va arriver, mais tu ne partiras nulle part. Il dit quoi? Il dit dehors, les chiens, il les appelle les chiens. Dieu, c'est Dieu, hein? Appelle l'homme chien. Hein? On dit de craindre Dieu. Vous ne, en fait, Dieu même, on n'a pas appris à le connaître. Beaucoup ne le connaissent pas. On nous a chanté un Dieu autre. Le Dieu miséricorde. C'est vrai. Il est miséricorde. Mais ce Dieu miséricorde aussi, on dit qu'il est le feu. Il est un feu dévorant. Il est un Dieu terrible. Il a mis le feu dans Sodome et Gomorrhe. Les hommes sont morts. Il a envoyé le déluge. Il a tué toute la terre. Il a sauvé seulement 8 personnes. C'est le Dieu là-haut dont on parle là. Dieu que vous dites qu'il est bonbon là. C'est ça aussi qu'il fait. Donc ce Dieu-là, il dit quand il va envoyer l'avion, ceux-là, il dit ce sont les chiens, ils ne vont pas rentrer dedans. Alléluia. Eh, vous devez être conscient de ces choses. Vous déjà en transit, vous devez être conscient. Si tu crois que tu t'en vas quelque part avec le Seigneur, c'est maintenant que tu dois laver ta robe. Tu dois accepter de te dépouiller de tout ce qui est souillure. C'est-à-dire, si quelqu'un, moi, qui va me faire rester? Et puis, je te mentis pour te faire plaisir. Je te dis la vérité. Il faut dire que je suis méchante. Ça, c'est ton problème. Moi, je suis en train de plaire au Seigneur. Hein. Moi, je te dis. Je te dis, je préfère que toi, tu me dises que je suis méchante. Ce n'est pas toi qui vas me juger. Ce n'est pas toi qui vas m'empêcher de rentrer au ciel. Celui qui va m'empêcher de rentrer, il a dit quoi? Si tu mens, tu ne rentreras pas. Pourquoi il te mentit à toi? Il a dit quoi? J'ai oublié le passage. On ne donne pas les... Voilà, une femme, une femme va lui demander, Seigneur Jésus, pardon, donne-moi un peu de pain pour ma fille, on va manger. Il dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. C'est Jésus qui a dit ça. Et puis la Bible dit quoi? Il n'a jamais péché. Il a insulté quelqu'un, chien, et puis on dit, il n'a pas péché. En fait, il n'a dit que la vérité. C'est pour toi que tu dis c'est un juge, mais pour lui c'est la vérité. Parce que c'est un animal. C'est un homme animal. Un homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu est un homme animal. Entre toi et le chien, il n'y a pas de différence. Un homme mort, mais c'est un chien. Il dit dehors les chiens. Donc, si vous voulez qu'à la porte, on vous appelle chien, parce que vous avez menti pour faire plaisir à des hommes, ça vous regarde. Nous, on dit pour nous et puis on s'en va. Alléluia. Donc, il dit quoi? Ceux qui pratiquent le mensonge, faites attention. Il faut prendre des résolutions. Ce n'est pas facile, je le sais. Des fois, il y a des situations compliquées, je le sais. Mais prenez des engagements pour qu'au fur et à mesure, vous commencez à vous libérer. Vous comprenez? Avec le Seigneur, c'est une décision. Et le Saint-Esprit maintenant va t'aider à faire. Si tu prends la décision, l'Esprit de Dieu va t'aider maintenant à sortir.
Mais tant que tu n'es pas assez audacieux pour prendre la décision, tu ne pourras pas t'en sortir. Le diable ne va pas te laisser. Soyez courageux et décidez, comme des voyageurs temporaires. Prenez la décision de sortir de toutes ces choses parce que vous n'êtes pas ici pour rester. Vous êtes en transit, vous partez quelque part. Et il y a des exigences. Dans ce lieu-là, il y a des exigences. On continue ? Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alléluia. Donc là, on parle d'une foule de chrétiens qui se sont retrouvés dans le royaume là-bas, au ciel. Parce que lui, il a été transporté pour voir ce qui va arriver à la fin. Donc il a dit quoi? Il a vu une foule, une grande foule, que personne ne pouvait compter, des nations. Il venait de toutes les nations. Donc il y en a qui vont venir de la Côte d'Ivoire, il y en a qui vont venir du Maroc, du Burkina, du Mali. Donc il y avait une grande foule qui venait de toutes les nations de la terre. Ils avaient été sélectionnés. Que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il y avait toutes les langues là-bas. Il a vu ce qui s'est passé là-bas. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ils étaient revêtus de robes blanches, comme je vous ai dit. Parce qu'ils ont pu prendre l'avion, mais ils sont montés en robe blanche. Des hommes de toute langue. Donc tout le monde peut prendre l'avion. Mais ce qui qualifie ceux qui sont partis, ils étaient tous revêtus de robes blanches et ils avaient des palmes dans leurs mains. Ce que je vous fais remarquer. Donc, le Seigneur est venu avec l'église, préparer une église, n'est-ce pas? Vous permettre d'être lavé. Donc, quand vous allez à l'église, recherchez l'église qui va vous permettre de progresser spirituellement. Recherchez l'église qui va vous permettre d'affectionner les choses célestes. Aimez la parole de Dieu qui va vous transformer, transformer votre âme. C'est bon d'avoir des choses matérielles, mais les choses matérielles n'iront nulle part. Si Dieu vous donne quelque chose aujourd'hui, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. N'est-ce pas? Contentez-vous. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as aujourd'hui. Ce que toi tu dis, ce n'est pas beaucoup là. Quelqu'un cherche ça, il n'a pas encore. Donc si Dieu t'a donné ça aujourd'hui, bénis le Seigneur. Ce n'est pas mauvais, c'est une grâce, c'est bien. Quand tu seras qualifié pour avoir autre chose, à un autre niveau, Dieu va te donner. Donc ne poursuis pas les choses pour les poursuivre parce que tu veux ressembler à quelqu'un. Ne sois pas en train de convoiter les choses auxquelles tu n'as pas droit maintenant. Si tu peux manger aujourd'hui, c'est gloire à Dieu. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Ne t'encombre pas de choses. Ne sois pas toujours envieux. Parce que ça va te faire tomber dans des situations où tu vas te tâcher, où tu ne seras pas dans la robe blanche, où tu ne seras pas qualifié pour prendre l'avion. Aujourd'hui, je voulais que tu prennes conscience que tu es un passager. Tu es un passager. Tu es un voyageur en transit. Ton objectif n'est pas la terre. Ta ville n'est pas la terre. Ta patrie n'est pas le monde. Tu es en train d'être préparé pour le ciel. Accepte d'être transformé. Et puis regarde le ciel. Ça dit, prends ta croix et marche après le Seigneur. Il a dit que celui qui veut me suivre là, il prenne sa croix. Il y a une croix à prendre pour marcher après le Seigneur. Ce genre de chrétienté où tout est beau ici, où tout est merveilleux, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ. Changez votre mentalité. Ce n'est pas Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 202 logements. Vous avez été touché par ce message.
et désirez vous procurer les DVD, contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55. 3xw.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.